faible mobilisation cet après-midi devant l'Opéra de Lille. Une poignée d'infirmiers et d'aides-soignants étaient réunis. Il s'agit du collectif apolitique Ni Bonne, Ni Nonne, Ni Pigeonne, groupe créé sur Facebook et qui rassemblerait 25 000 personnes dans toute la France. Objectif, alerter les pouvoirs publics sur les conditions de travail dans les hôpitaux. Infirmiers et aides-soignants dénoncent la pénibilité de leurs fonctions et les dégradations de travail qui peuvent amener à des erreurs professionnelles et à une mise en danger de la vie des patients. La pénibilité, c'est le travail 24 heures sur 24, les week-ends, les nuits, les fériés, alternance jour-nuit, risques psychosociaux, manipulation de produits cytotoxiques, port de charges lourdes, etc., etc. Donc il y a une mise en danger dans le domaine des sous-effectifs, une reconnaissance de la pénibilité qui a été annulée par Madame Bachelot. C'est-à-dire qu'elle nous a conféré le grade de licence, mais qu'en contrepartie, elle nous a enlevé notre pénibilité. Il y a d'autres corps de métier qui ont la même pénibilité. Je parle des policiers, je parle des surveillants pénitentiaires, je parle des douaniers. Tous ceux qui ont une continuité d'activité 24 heures sur 24 ont cette reconnaissance de la pénibilité, sauf que nous ne l'avons plus.